Les mecs, vous allez voir une map énigme Prison Break ultra difficile, clairement la plus dure que j'ai pu faire. Allez, vous allez voir, il y a notamment une énigme avec des calculs qui étaient assez vénères. Bref, je vous laisse découvrir ça les gars et bah bravo à lui pour la map, vous allez voir qu'elle est cool. Et n'oubliez pas code grâce à Scar si vous voulez participer à la console du mois. Bonne vidéo les potes, enjoy. Yo les mecs, on est parti pour tester tout simplement la map de Deman. C'est une map en gros Prison Break. On va pouvoir voir, en gros il a essayé de recréer la série Prison Break avec des énigmes. Apparemment faut beaucoup réfléchir, donc on va voir, on va essayer d'être à la hauteur. Donc on est avec Deman, donc est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Donc, il est sur Play et bah vas-y, dis-moi, présente-moi ta map et dis-moi un peu comment tu l'as fait et c'est quel thème, etc. etc. Enfin, développe-la, tout simplement. Bah, du coup, c'est une escape game sur le thème de Prison Break. J'ai vraiment essayé de faire comme Prison Break, tu vois. D'accord. Alors, ah, j'ai pas vu la série, donc je suis dans la merde. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Allez. C'est pas grave, mais si t'avais vu, t'aurais kiffé encore plus, tu vois. D'accord. En vrai, je regarde, j'ai vu quasiment aucune série. Et du coup, t'as vraiment des énigmes originales. Tu spoil les trucs assez avancés ou pas? Non. D'accord. Donc tu... Là, c'est vraiment que saison 1. Alors, je peux piocher les trucs de bois ou pas du tout? Non, c'est bon. Je voulais juste savoir si t'avais désactivé la pioche ou pas. Ah ouais, non. Ok, ça roule. Du coup, là, en fait, la première étape, elle se fait en coopération, tu vois. Ton pote, il doit être dans cette cellule et vous devez être deux pour résoudre la première étape, quoi. D'accord. Alors, Mickaël, ils ont augmenté sa sécurité depuis la dernière tentative d'évasion. Il faut que tu regardes les cellules pour te récupérer avec ton tatouage. D'accord, donc là faut d'abord que je te libère avant ce truc. Ouais, okay, là, y a un truc. Et l'indice que j'ai dans ma cellule, c'est le numéro 28, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, ok. Alors tableau avec un fond vert égale énigme. D'accord. Tableau avec un fond transparent égale message indiquant 0-10, c'est un clin d'œil à la saison 1. D'accord. Donc vert égale énigme. Ok. Blanc égale Scofield, noir égale Franklin, jaune égale sucre, rose égale T-Bag et vert égale Lincoln. Ouais, c'est les personnages de la série qui parlent en fait. D'accord, ok. Ah, je suis désolé que... c'est surtout le message du haut qui est important pour... Ouais. Alors Mickaël, donc là ça c'est... Merde, j'ai plus c'était qui le nom du jeune. C'est sucré. Ah, c'est sucré, j'ai dit sucre, ils sont foutus de ma gueule, je suis mort. Ils ont augmenté la sécurité depuis la dernière tentative d'évasion. Il faut que tu regardes les cellules pour te repérer avec ton tatouage. Et moi, l'indice que j'ai, c'est le numéro 28, c'est vraiment tout ce que je peux dire. Et c'est la clé de l'étape, quoi. Ok, ça roule. On va essayer d'être bon, les gars. Ah, oui, ouais. Ah, je suis un connard. Après, il faut vraiment que, genre, que tu regardes les cellules pour te repérer, tu vois, pour savoir comment faire. Ouais, exact. Numéro 28. Ce que je peux aussi dire, c'est que la cellule tout à ta droite, c'est la cellule numéro 1. Enfin, moi, je vois le 1. Après, la cellule qui est à ta gauche, je vois le 4. En gros, les cellules sont montées, tu vois. Au-dessus de moi, c'est 1 et 4, ok. D'accord, donc là, c'est la 25. Donc ça, c'est la 27. Donc ça, c'est la 28. Donc il faut aller là-bas. Ok, d'accord, je vois. Ok, donc faut que j'aille dans la numéro 28, donc faut que j'aille dans cette cellule-là pour descendre, pour te libérer, j'imagine. Ok. Ça roule. C'est très clair. Alors, Flo Smurf. C'est parti. Putain de merde! J'avais une chance sur deux, c'était la mauvaise chance sur deux. Pas grave. Bon, du coup, alors le frère de Mickaël Scofield, c'est quoi son blast? Son frère, c'est Lincoln. Lincoln, ok, d'accord. Les gars, dans le chat, tout le monde a vu Prison Break? Je suis le seul clampin à pas regarder les séries ou. C'est très possible en plus. Hein. Oui, let's go! Putain, enfin! Oh non, ma vie c'est de la merde. Ah ok. Ouf, je croyais que j'étais stuck, j'allais dire bon, ma vie c'est vraiment de la merde. Ok, j'ai un fort de poche, frérot. Réfléchis avant d'utiliser, d'accord. Ok. Bah là, c'est de la merde, on doit recommencer du coup. Je vais réfléchir, je te dis à quoi je pense et tu me diras si c'est bon, ok. Après, je pense que si je meurs, je garde l'objet. Ouais, tu le gardes. Je vais taper kill et là, je vais essayer de te l'envoyer, on peut pas. Comment je pourrais faire? Alors, je peux remplacer mon mur devant moi pour edit et pour passer vers toi. Non, mais c'est pas ça. Ce sera pas ça. Je peux aussi le créer au-dessus de ta gueule pour pouvoir te faire revenir et je pense que c'est ça du coup. Alors attends, ouais. 28, 25, pas que je me plante de cases. 23, 22, 24, donc c'est la troisième. Ok, go. Donc je vais essayer de te faire un toit un peu chill. Cool l'énigme, j'aime bien bro, elle est vraiment cool. Et bah après t'es pas prêt parce que c'est après t'as bien tout complexe. Ah, ouais j'imagine, mais c'est cool.
Ah, il y a tellement de séries que je devrais regarder, mais c'est tellement long les séries. Ok. Ça a C'est ça. marché. Let's go. Là, Si j'avais fail, j'étais au fond. Hein. C'est ça. Alors, je te Du coup, laisse là, je peux éviter les traps. passer. Et là, je passe ce Yes. truc. Et je peux Ah, tu sortir. peux pas aider du coup? Ah, oui, non, on n'est pas la même Non, équipe. non. Ouais. Ah, Et normal. même, non, mais même comme on n'a pas le mode de. Comme on peut pas construire, on peut pas éviter. Ouais, exact. Effectivement, ouais, j'avoue. T'as pas tort. Faut d'abord que je fasse sortir Franklin. Ah, bah arrive Du Franklin. coup, maintenant je suis sorti, il faut que ce soit un moyen pour pas passer ça là. D'accord. Franklin et Lincoln, on est d'accord que c'est pas la même chose. Non, Non, Franklin c'est non, pas noir. du Okay. tout, pas du tout. C'est Alors, un monstre. présente-moi un peu les personnages. Franklin c'est qui? Sucré c'est qui? En T-Bag? gros, T-Bag, je crois que je l'ai alors, déjà vu, c'est un gros Renoir, je crois. Non, pas du tout. Ah, bah Franklin, yes. c'est quelqu'un dans la prison. C'est pas Alors, vraiment attends, même assez. y a un acteur chelou, t'sais, qui tire la langue, t'sais, qui est grave connu et tout, qui faisait le méchant dans T-Bag. le. T-Bag, c'est Ah, c'est T-Bag. T-Bag ça? Ah, ok, d'accord. C'est Ok, alors. J'ai vu le début de la saison en fait. c'est un psychopathe qui viole des enfants. D'accord, ok, bah ouais, c'est un mec cool. Ensuite, du coup, Sucre, c'est le meilleur ami de Michael. D'accord. Ils se sont rencontrés en prison. D'accord. Lincoln, c'est du coup son frère. Et Franklin, c'est quelqu'un qui est dans la série, qui est pas vraiment ami, mais qui a découvert le plan d'évasion de Scofield. Et du coup, qui a dit, ouais, bah, tu me mets avec moi ou je balance tout, tu vois. Donc, Ok. ce gars, voilà. Ok, d'accord. Alors, je pense à vouloir essayer d'aller sur l'endroit que ça a ouvert là-haut. Hop là. C'est peut-être pas ça, mais j'ai envie d'essayer. Ah, y a pas les. Ah, quand tu casses le sol, ça pète les pneus. Mais. Ah, c'est jouable quand même, ouais. Avec l'edit. Ah, mais non, je peux pas edit. Non, tu l'as dit. D'accord. Non, le gros renard, du coup, c'est Franklin. Il est noir. C'est Franklin? Ah, ok. Non, mais Mais j'avoue, je lui, me ça souviens genre. plus. Mais c'est vieux la saison, hein. Ça a au moins 10 ans, non? En vrai. En 2006, je crois qu'elle est sortie. La saison, je suis pas sûr, Ouais, 2006. 13 ans, ouais, wesh. Ok. J'ai regardé le début de la saison 1, je crois. Je crois même que j'ai peut-être vu l'évasion. La première évasion en tyrolienne, je sais pas quoi. C'est ça, non? En tyrolienne. Non, c'est pas ça? Ok, bah, c'est peut-être pas ça. Non. J'étais affaibli, gros. Ah Ah non, je regarde juste chez toi si t'étais pas un bolos qui a laissé une clé à outils. Pas du tout. Alors, attends. Alors là, pour monter, frérot. Alors, il y a un trou au-dessus, effectivement, après mais. c'est pas en haut, genre c'est pas en haut. Ok. Après en fait c'est soit les gens ils trouvaient direct ou soit ils galéraient de. Et toi tu fais partie des gens qui galèrent un peu. Ok. Allez, j'aise. C'est vraiment soit trouver direct, c'est un truc tout cool, soit ils trouvent direct, soit ils galèrent. Ça se passe vers ici là. Ouais. Ouais vraiment. Et en fait ça se passe de l'autre côté du mur, mais c'est pas en haut. Ah putain. Ah putain, je viens de comprendre. Oh my god, j'y ai pas Je pensé. t'ai dit, c'est normalement c'est Ouais. direct, tu vois, il galère. Ouais, clairement, bien vu ça. Ah, je suis trop con. Ah, c'est cool en vrai. Ta map, elle est vraiment cool. Ta map est vraiment stylée, bro. Vraiment, c'est des bonnes idées, Merci, genre. merci. Putain, j'y ai pas pensé. Putain. Ouais. Exact, quand tu l'as dit ça. Ne les utilisez pas n'importe comment. Oh, c'est un truc là? Ah là, d'accord, ok, ici. Ok, campfire. Campfire. On va s'en servir, on va poser sur les barriques de. Sur les barriques de bois pour les casser. C'est une très bonne idée. Mec, t'es malin, hein? T'as quel âge? Merci. 17 ans. Alors ouais, t'es malin. No joke, t'es malin. Vraiment cool. T'es vraiment malin. Alors, on va voir. Pour résumer, si tu trouves la solution sans passer par la Ah, mais pièce rouge. commence par en haut. Ça commence par en haut. Ah, ok. À partir de maintenant, je te laisse un pad. Si tu es vraiment perdu, tu le mettras à l'entrée de la pièce rouge. À l'entrée de la pièce rouge, ok. Et cela te donnera plus d'indications. Ah, c'est lourd. Ne l'utilise que si tu ne trouves vraiment pas la réponse à l'énigme. Si tu l'utilises, ton QI descendra. Ok. Pour résumer, si tu trouves la solution sans passer par la pièce rouge, cela veut dire que tu auras un QI supérieur à la moyenne. Si tu utilises ton premier pad, tu as un QI comme tout le monde. Ok. Et si tu utilises ton deuxième pad, qui est au premier étage de la pièce rouge, tu as un QI inférieur à la moyenne. Ok. En fait, j'ai fait ce système parce que les gens à qui j'ai fait tester, ils ont vraiment dit que c'était vraiment trop dur.
Du coup, j'ai installé ça pour. Et ça, c'est les. Je ne vois plus le bon chemin sur mes tatouages. Sur mon tatouage, pardon, à cause de ma brûlure. Faut qu'on retrouve l'info grâce aux cellules. Alors, le calcul n'est pas dans le sens d'une aiguille, d'une montre, ni l'inverse. Ici, il y a une flèche vers le haut, mais ça sent le haut, tu vois. Et c'est une flèche vers le haut. Ça, c'est une flèche vers le haut, là ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, vers le haut, plus, vers le bas, égal, tiret, flèche de gauche, flèche de droite, égal, x. Enfin, là, c'est plus forme, en fait. Alors, la pièce rouge, c'est calme, c'est ça, Marlène. Ok, d'accord. Ouais, donc ça. Là, en gros, avec ça, et j'imagine que c'est les cellules. Donc, tu m'as dit que tu avais vu le 1 et le 4 de mon côté. Et là, il y avait 23, 25 et un 28 de l'autre côté. Ok. Il y a aussi les chiffres ici. Non, ça, c'est que des possibilités de réponse. Il n'y a pas de... Ah, oui, d'accord. Oui, j'avoue. Pas faux. Alors, voyons voir. Donc, flèche vers le haut. En haut à droite, plus. En bas à droite. Égal tiret flèche droite égal x. C'est pas forcément des flèches. Ah, d'accord. C'est plus genre montée et descente un peu. D'accord, ok. Et t'as encore des chiffres à l'autre point de la cellule là-bas, tu vois des chiffres aussi. D'accord. Donc 23, 25, 20 là-bas caché. On va voir les autres chiffres. Alors. 1, 4, 6, 14. 1, 4, 6, 14, 20, 23, 25. Ok. La cellule dans laquelle je commence, moi, c'est la numéro 3. Alors, est-ce que tu as fait avec les numéros qui sont visibles ou est-ce que tu as fait avec les numéros dans lesquels on commence ? Je pensais que c'était le mouvement du joueur que le joueur avait fait, mais je pense pas que ce soit ça. Non. Ok, je vais partir de ma case, on va voir. Donc là, j'étais case 3. Case 3, en haut, on a l'info. Ouais, c'est 14. Donc 13, 12, 11, 10. Donc c'est 11. Donc je suis la salle 3. 1, 2, 3. 3 plus 11, ça fait 14. 14, la flèche était à droite. 14 x 12, 14 au carré, alors 12 au carré, 144, 168 du coup, donc ça ferait 168, 162, je crois pas que je l'ai vu dans les réponses. Non, il n'y a pas. Donc c'est pas ça comme sac de départ. Mais tu veux te donner un indice parce que t'es loin quand même du tout. De quoi ? Tu veux te donner un indice parce que t'es loin du truc quoi. Et ce que je peux te dire, c'est que pour passer d'un nombre à l'autre, il faut changer de point de vue. Si la case de départ, c'est pas la 3, ça peut être tellement de choses. Bah non, il y a la... Ça peut être le 4, ça peut être le 1, ça peut être le 6. En cause, on parle de lui, tu vois, c'était la... C'est laquelle pour toi ? De quoi ? C'est laquelle pour toi, la première ? La 1. La 1 pas... Pourquoi du coup, ce serait la 1 ? Bah parce qu'on commence par le 1, genre le tout début c'est 1, tu vois. D'accord, ok, bon, ça je pouvais pas le deviner pour le coup. Ok, ça roule. Bah vas-y, bah dis-moi, donc au-dessus de la 1, c'était la 14. Ah, bon, ok, merci. Donc faut faire toutes les cellules et regarder quelle position elles ont l'une par rapport à l'autre pour savoir s'il faut additionner ou multiplier. Ok. Donc 1 plus 23, ok, ça roule. Donc moins 4, ça fait 20, plus 25, ça fait 45, moins 7, ça fait 38. Non, c'est 6 le. C'est 6 le... Ah. Ouais. 39 du coup, et 39, et l'autre c'est a priori 20. Il n'y a pas d'autre nombre ? Il y a un nombre après au bout là-bas ? Il y a 14, non ? Il y a 14. De ton côté, il y a 14. De ton côté, il y a 14. Il est en haut à droite. Toi, il est à 20, il est au sol, donc je dirais le 20. Donc ce serait 39 fois 20, 780. 780, il reste 14. 780 plus 14, 794. Ok. Ok, d'accord. D'accord, ok, waouh. Ah oui, donc je pensais que c'était qu'un des plats. En fait, ok, alors pour ceux qui n'ont pas compris l'énigme, en gros, il fallait. Bon, en vrai, c'est difficile à deviner parce que ça, il y a tellement de possibilités. En vrai, moi je pensais que c'était ma position initiale et tu montes en haut à droite pour voir. Mais en gros, toutes les. Imaginez en gros un trait où vous reliez toutes les cases. Donc là, en gros, il y a un 1 à ma gauche là. Pour aller du 1 et changer de côté, c'est 23, donc ça monte en gros, et donc du coup c'est une addition. Après on redescend pour aller au moins 4 qui est à ma gauche, donc ça fait moins 4.
on remonte en haut pour aller faire du coup plus, et ça rajoute plus 25, parce qu'en haut, entre les deux, c'est une montée. Ensuite, il y a un moins 6 là-bas derrière moi. Ensuite, il y a une multiplication, puisque le 20 est en bas aussi, comme le 6. Et enfin, il y a une addition, parce qu'il est en haut à droite, et encore une montée du coup. Ok. Donc ça fait 1 plus 23, 24, moins 4, 20, 20 plus 25, 45, 45 moins 6, ça fait 39, 39 fois 20, ça fait 780, et 780 plus 14, ça fait 794. Voilà, voilà du coup, mais en vrai, c'est difficilement trouvable quand même, parce que en vrai, c'est cool, mais il y a tellement de possibilités possibles, mais j'avoue que c'était bien. Après, c'est reflétant, enfin, je sais pas, mais ça fait un calcul de droite à gauche, tu vois. Enfin, comment... Non, mais en vrai, c'est cool, hein, c'est cool. Putain, on doit percer le diable. Bon, mais tu vois, savoir par exemple que ça commence par le 1, c'est impossible à savoir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, genre, c'est pas devinable, tu vois. Le mec peut pas savoir qu'il doit relier toutes les salles entre elles en commençant par le 1, genre. Après, je pense que s'il fait beaucoup de choses et qu'il voit que ça marche pas, il va se dire, ah, si je commence par le 1. Oui, oui, si le mec passe vraiment beaucoup de temps, il va finir par tout essayer, tu vois. Mais. En gueule d'or, je n'oublie pas qu'il y a un seul carré de numéro bon. N'oublie pas le message qu'il y avait dans la cellule de Franklin. Quand j'étais à l'isolement, je récitais l'alphabet pour passer le temps. D'accord, ok. Tu récitais l'alphabet pour passer le temps, d'accord, nickel. Bah, alors 4 CD, 5 CE, donc ça fait DE. 24 Y. X, Y, Z, c'est X. Donc D, E, 21. Donc c'est U, donc c'est D, E, X, E, X, donc 2. Coup. Donc isolement, ok. J'ai baissé le son du jeu, les gars, parce que c'est un peu fort. Donc là, c'est la deuxième salle. Faut les sniper avec les grenades, genre. Déjà, je te conseille de regarder ce qu'il y a en haut, sur le sol, et de regarder dans ce qu'il y a dans la salle des. Quartier psychiatrie. Okay. Non, t'as vu du mal côté. Il y a des numéros sur le sol en haut, mais tu les as pas vu, je crois. Numéros sur le sol en haut. Non, pas encore. Par contre, en vrai, même si j'en tue deux, ils vont toujours me laver le cul, non ? 1, 3, 4, 2, 7, 50 quelque chose, 28. Et quand y a pas de calcul à faire, tu vois. Quand il y a des calculs, je te dis qu'il y a des calculs. Là, il y a des calculs. Ah oui, tu les as mis full life. Ouais, j'aurais pas dû ça, mais... Ok, je crois que tu les as mis à 50 HP, tu vois. Vu que ça tique 10 fois. Du coup, alors... les deux, ils sont morts, du coup. Ouais. Et maintenant, grâce aux deux que t'as trouvé, tu dois savoir comment faire. Le 2 que t'as trouvé, tu penses que c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Bah là, c'est le carré. C'est ouais. Le carré avec marqué 2. J'imagine que quand j'y suis, je dois être safe sur les angles des bots. Ouais. Mais j'arrive pas à y aller. Il me tue direct. Mais si, en passant de là, tu peux y aller. Tu fais ça. Normalement, ça passe. D'accord, ok. Après, des fois, il te tue direct, mais normalement, ça passe. Avec un peu que... un peu d'essai, ça passe au moins mieux. Et bon. Maintenant, normalement, tu. Ah, donc les grilles protègent des balles, du coup. Ouais, c'est ça. Et normalement, si sur le. Alors, dans le vrai jeu, ça marche pas comme ça. Du coup, c'est vrai que je pensais que les grilles ne protégeaient pas des balles. Ah, ok. Dans le vrai jeu, tu te fais bien enculer, hein. Ah, on a armes égales, là. Hein. Tranquille. Je sais pas si tu peux... Est-ce qu'on peut tirer à travers du coup là? Ah non, on peut pas tirer. What the fuck? C'est trop bizarre, à moins qu'il y ait une mise à jour que j'ai pas suivi, mais. Non, c'est de c'est déploiement. Mais attends, mais même dans le vrai jeu? Ouais, enfin je sais. Sympa le système de la pièce rouge, par contre, je trouve ça cool. De la quoi? Sympa le système de la pièce rouge, je trouve ça cool. Ah, ok. Après, ça, c'est. Il faut d'abord que tu fasses le calcul. Ok. Quand je serai en dehors, je pourrai enfin appeler ma famille. Zéro calcul nécessaire. Donc, ça, c'est pour plus tard, ok? Ouais. 1,
3, 4, 9. Donc ça, c'est les résultats, j'imagine. Il y a un truc à calculer, du coup. Calcul nécessaire. Qu'est-ce qui pourrait être Après, là? c'est pas droit ou alors c'est pas des fesses, voilà. C'est un truc que tout le monde connaît. Et ça signifie quelque chose, les sinistres. Déjà, ça, il faut que Une tu. gauche. Ça commence pas à faire. C'est pas à gauche, c'est pas à droite. J'imagine que c'est inférieur A ou supérieur A. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est supérieur. Bah, j'imagine que ça a dû commencer du 1 encore. Donc là, le 1 est inférieur, du coup, c'est un moins. Ah, mais du coup, ça fait un nombre négatif, donc ça m'étonnerait. Mais du coup, Du coup, c'est vous le truc commencez en fait. peut-être par le plus grand. Alors, attends. Non, tu commences par 1, mais c'est pas le 1 est inférieur, c'est plus le chiffre d'après qui forme. Ouais, ok. En vrai, je m'en doutais que. Mais du coup, j'avoue que c'est un peu moins logique, mais tranquille. Alors, donc, du coup, t'inverse, c'est le nouveau. Donc, le nouveau est supérieur, c'est un plus. De toute façon, si c'était inférieur, ouais, t'as juste la probabilité négative, quoi. Donc, 12, 6, 6 plus 24, ça fait 30. 30, ça fait 4, ça fait 23, ça fait 14, pardon, et ça fait 10. Non, tu 10, t'es non. trompé. Le Attends, la attends, attends, je vois le calcul. Donc 11, 12, 12, 6, 6, 24, ça fait 30. Ah, est-ce que c'est chacun côte à côte ou est-ce que c'est. Alors 30 moins 4, moins 26, ça fait 4. 4 plus que ça fait 20, 23. 23, ça ferait bien 14, ça ferait bien 10. Donc, du coup, ça doit pas être la règle, ça doit être seulement le chiffre d'avant par rapport au chiffre d'après et pas la somme. Donc, essayons avec ça. Ça ferait 12. Donc, ça, c'est super. Oh merde, excuse-moi. Ouais, Ça, c'est pas super à ça. Donc, grave, ça va être 12. Ça, c'est inférieur à 5. t'inquiète. Donc, ça va être 6. Ça, c'est Ouais. supérieur. Donc, ça va être 30. Ça, c'est Ouais. super. Donc, ça va être addition. Donc, ça va être 56. Ça, c'est inférieur. Donc, ça va être 56 moins 19. 37. 37 moins 9. Ça fait 28. 28 moins 4. 24. Yes. Ok, bien vu. Bien vu, bien Et en vu. fait, à la suite de l'étape, là, tu ne pourras jamais trouver son. Ça va. Ah ouais? Là, je peux pas y aller du coup là? Enfin, tu peux y aller, mais sans savoir la solution de l'énigme, tu ne pourras jamais. D'accord. Là, c'est la suite. Enfin. Et là, je te mets le message. Ça c'est vrai, ce message-là. De quoi? Le message que je t'ai mis, c'est vraiment. C'est ça qui va te permettre de savoir comment trouver ça. Quoi. Ok, donc ça c'est l'indice. Quand je serai Ah, c'est dehors, ça. je pourrai enfin appeler ma famille. Et quand je serai dehors, je pourrai enfin appeler ma famille. Après, pour Ah, les chiffres du téléphone. Ah, yes, c'est ça. Putain, je viens de. Exact, exact. Voilà, par contre, du coup, mon GSM, c'est plus ça, quoi. Et ouais, je vois très bien. Ouais, c'est ABCD. Donc ça, c'est un D, là, j'imagine. Enfin, là, c'est un D. Là, c'est un ABCDEF. Donc là, c'est un F. ah, Ça, c'est c'est un. ça. FOMD, ça veut dire fond, Ok? droite, bas, droite. Fond droite, bas droite. Ok, ça marche. Je comprends du Ah, coup. vas-y, je t'attends. Bon, vas-y, montre-moi. Je Attends, te il faut suis. que je le base. Bien joué. Oh, propre. Oh, Et c'est propre, hein. Bien du joué, coup gros. fond, le piège de droite, du coup en bas et à droite, c'est le coin en bas à droite. Ah ouais, j'aurais jamais pensé à checker ça de base. Genre, bien joué. Attention, si vous utilisez mal vos feux de camp, vous devrez tout recommencer. T'as changé l'orthographe de recommencer au calme. Il faut que vous soyez certain de vous. Ok, c'est un code à trois chiffres. Ça roule. C'est vraiment que ce tableau qui donne l'indice. D'accord. Voilà. Quand on sera dehors, Sarah pourra reprendre son travail aux urgences. C'est vraiment le mot urgence qui est important. Là, le chat, il est en 4. Ok. Ah, le numéro des urgences. Waouh. Bah, je sais même pas. Mais c'est pas celui-là qui est en France en plus. Ah, 911. Ah, c'est tout ce que je connais. Ça, c'est les flics. Ouais, c'est le bon Mais. truc, mais il manque de. Si, c'est aussi les urgences aux États-Unis. Ah C'est ouais? ça, mais il y a encore du. C'est 911, mais c'est pas vraiment 911.
Ah ouais? Et la salle elle te dit je dis pourquoi. Genre tout à l'envers, tu vois. Ah, tout est à l'envers, d'accord. Ok, bien vu ça. D'accord, donc c'est 11-9, quoi. 119. Ok. Clairement, le 911, c'était malin de sa part. Suis mort. En vrai, c'est stylé, t'as une mécanique de flipper, je trouve ça cool. Attends, viens, en gros, il fait comme ça, tu vois. Là, c'est bon. Waouh, putain, ça a été vite. Oh, putain, sa mère! Ah oui! Oh non, je suis pas passé, je suis deg. T'es dans le champ normalement? Bon, ouais, normalement, tu sors. Ok. Après, si t'as vraiment pas de chance, ça marche pas. T'inquiète, t'inquiète. Oh, c'est stylé en vrai. En vrai, c'est stylé. Je trouve ça très stylé. Oh là là! Ah, Oh là là, je c'est suis pas bon. libre! Let's go! Putain, c'est lourd! Ah, t'es où du coup? Ah ouais, c'est stylé. Franchement, c'est stylé de ouf. Vraiment Ah, cool j'ai pas comme trop bien. fin, gros. Je suis là, tu me vois ou Ouais, pas? Je suis derrière, je suis dans les champs de blé. Let's essaye go! de. On est sorti! Bah, bien joué, Ok, t'es gros! où? La sortie est stylée. Ouais, franchement, la sortie est stylée de ouf. Sympa la fin, en vrai. Ouais, c'est vraiment cool. Le plus, est-ce que Du tu coup, penses t'as qu'en 5 minutes, on compris. peut faire un truc ou pas? Ouais, c'est cool. En vrai, c'est vraiment cool. Il y avait vraiment des bonnes idées. Après, il y avait peut-être un peu trop d'interprétation sur certains trucs, mais c'était vraiment stylé. GG, bro. Bah, franchement, bravo. Elle est vraiment cool. Franchement, elle est vraiment cool. Merci, merci. En plus, faire les énigmes, c'est très difficile parce que c'est jamais facile de faire une énigme. Enfin, bref, c'est vraiment, vraiment bien. Très bon taf, Merci, gros. merci. Ah merde, Bah, je suis mort. du coup, t'as cliqué les ennemis et tout, la Ouais, difficulté. elles sont vraiment bien, elles sont vraiment bien, elles sont vraiment bien. Alors, évidemment, il y a toujours un peu d'interprétation, tu vois. Mais en même temps, c'est normal, c'est lié aux énigmes, tu vois. Ouais, c'est normal. Donc, Ouais. en vrai, c'est vraiment cool. Et merci de ton aide, tu m'as aidé juste comme il fallait et c'était bien. J'ai passé un bon moment. Et il y a des trucs qui m'ont bien interpellé, genre le fort de poche, casser les murs et tout, c'était cool. Les numéros, c'était sympa. Les mécaniques de cellules, c'était sympa. Il y avait plein de trucs cool, bro. Franchement, c'était une très bonne map.